pilotes derrière les lignes. C'est dans 3, 2, 1, go! Autonomous phase starting. 33-60 est en problème technique actuellement. Les points ralentissent du côté des rouges. Plus que 3 secondes. Autonomous phase ending. 130 seconds. Le terrain semble statique pendant la récolte des cargos. On tente d'envoyer. Et c'est envoyé efficacement dans le upper hub du côté des rouges. Le temps est encore grand pour rattraper les points du côté des rouges. Mais 54-39 est très efficace sur le upper hub avec deux cargos efficaces. Deux cargos efficaces de la part de 33-60 qui récupère depuis la phase autonome. Statique en préparation. Pendant ce temps, 54-39 envoie efficacement pour son allié. Les scores sont serrés alors qu'il manque que 83 secondes. 49-57 en stratégie défensive pendant que 35-50 est en récolte. Pendant ce temps, son partenaire 33-60 rate ses tirs dans le upper hub. 54-39 envoie un cargo efficacement en même temps que les rouges. 33-60 atteste la démarche. Égalité pour les rouges et les bleus. Excellent lancé. Les rouges prennent le devant. The Red Alliance takes the lead right now. 45 seconds left. Les rouges sont en stratégie défensive agressive, nous le mentionnant, pendant que 54-39 se fait intimider dans la cour de récré. Plus que 30 secondes. 33-60 se place pour entamer la procédure de montée. Du côté des bleus, c'est encore vierge sur le hangar. 54-39 entame la procédure sur le deuxième levier. 33-60 is now on the traversal and it's over. C'est terminé. C'est terminé. Alliance wins. 39 en score récolté. On mentionne que des pénalités ont été commises cependant du côté des rouges, mais ça n'empêche pas. Félicitations pour 35-50, 80-67 et 33-60. Deux PC récoltés sur